Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir. Alors, ce soir, je suis avec Nounours. Nounours, je vous le présente. Et Nounours, il boude. Alors c'est pas cool. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre. Et du coup, j'aimerais bien trouver des solutions, j'aimerais bien en trouver. Est-ce que ça te dit de m'aider? Alors, j'ai essayé de faire plusieurs diagnostics. J'ai essayé de comprendre de plusieurs manières. Alors, je me dis, alors Nounours, c'est le Nounours de Léonore, ma fille. Et donc, en fait, je me dis, peut-être que Léonore doit manquer à Nounours. Enfin, surtout, Léonore a envie de voir. Enfin, Nounours a envie de voir Léonore. Voilà. On va se dire comme ça. Donc, il boude. Et il n'arrive pas à bouder, en fait. Alors, moi, le langage ours, je le comprends pas. Est-ce que parfois on comprend les gens qu'on aime, les gens autour de nous, tout court? Est-ce que c'est facile de les comprendre? Parfois pas plus que ça. Alors je voulais te partager, peut-être, je te partage du coup mon diagnostic et peut-être qu'on pourra rajouter d'autres choses. Tu te souviens, en fait, dans une précédente vidéo, il n'y a pas longtemps, j'avais expliqué que on avait tous nos filtres, hein, les fameuses lunettes. Et du coup, peut-être que j'arrive pas à comprendre le besoin du coup de Nounours, parce que déjà, lui c'est un ours, moi je suis un homme, donc on voit pas les choses pareilles. Hein, nos croyances, notre rapport à la vie n'est pas la même. Donc du coup, en fait, j'arrive pas à rentrer dans son modèle. Et qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse rentrer dans son modèle. Eh bien en fait, ce serait peut-être lui poser des questions en enlevant le filtre que j'ai moi sur ma manière de voir les choses. Ah, ok. Je le regarde en même temps, mais il continue toujours à bouder. Donc lui poser des questions, aller dans son univers. Lui poser des questions, et puis peut-être que, bon, en ce moment, enfin, vous avez compris. J'ai mal au dos, donc peut-être que je suis pas aussi patient, je suis pas non plus assez à l'écoute. Et donc du coup, j'y mets peut-être moins la forme. Peut-être que c'est ça. Donc poser des questions, mais y mettre la forme. En y montrant de l'intérêt, en jugeant pas. Voilà, Nounours, s'il boude et qu'il est peut-être triste finalement, ou il est peut-être en colère, il est peut-être quoi que ce soit. Mais peut-être que j'ai pas besoin de le juger en fait. Peut-être que j'ai pas besoin de lui dire, eh, écoute, Nounours, t'as pas besoin de bouder en fait pour ça. Nounours, tu vas l'avoir bientôt. Eh, mais dans la tête de Nounours, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, du coup, en fait, hein, on a dit, peut-être par rapport au diagnostic, c'est 1. Ne pas être dans son filtre à soi, en tout cas, pour comprendre le besoin de l'autre, être dans le filtre de l'autre. 2. Du coup, poser des questions. Manière le plus ouverte possible et sans jugement. Du coup, et puis 3, du coup, les poser avec une attitude la plus sympa possible, la plus accueillante possible, sans le jugement. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je me disais. Peut-être qu'avec ça, on va réussir à, avec Nounours, peut-être de se faire un câlin. Voilà. C'était le petit moment avec Nounours pour vous expliquer, pour vous mettre une petite lumière, en tout cas comme celle qu'il y a derrière, sur comprendre, essayer de comprendre différemment les besoins des uns et des autres. Voilà, je referai d'autres vidéos peut-être dans ce style-là. Moi j'aime bien cette thématique, vous aussi j'espère. Voilà, je vous embrasse, belle soirée, bonne nuit. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.